Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour bah du coup on est quoi? On est vendredi, oui. Donc il y a eu un nouveau thème que vous devez déjà connaître parce que je ne sais pas quand je posterai cette vidéo. Et j'ai décidé de faire un deuxième look de Noël vu que le premier vous a énormément plu. Petit rappel, c'était le look de Bambi. Vous pouvez aller voir, pardon, dans mes derniers looks créés. Et bah, je découvre le thème en même temps, pas que vous, parce que vous l'avez déjà découvert, mais voilà, en même temps je fais mon look. Voilà. Donc on a ça, mais ça fait un papier cadeau, mais c'est un petit peu. Enfin. Je suis pas une chouin, ok? Je vais pas mettre ça. Ça, c'est sympa. Mais parce que bon, après, en été, pourquoi pas? La plage, pourquoi pas? Mais non, sinon, non, je ne suis pas d'accord. Le pull là, il est sympa, mais on va chercher quelque chose d'un peu plus festif, plus Noël. Ça, j'aime bien. Vous allez me dire, ouais, ça change pas grand chose de ça, mais ça fait moins de choix, ok? Ça, c'est sympa. Peut-être soit en noir, ouais, en noir, ça fait trop vu et revu. En bordeaux, voilà, en bordeaux, peut-être. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, il y a une coupe 6 diamants, c'est pas donné, on va pas se mentir, c'est pas donné. On va mettre en blond, blinde. Ouais, là c'est trop gros. Je cherche toujours un nœud qui soit pas si immense. Et je sais pas pourquoi ils font tous les nœuds sur la tête. Ils sont immenses. Bon, ça, no comment. On n'en débattra pas. Ça, c'est sympa. Ça, ouais. Non, c'est vrai. Franchement, c'est mignon, mais non. Ça, c'est super cool, mais ça va pas du tout avec le haut. Parce qu'en fait, là, ça fait genre glamour, gala, etc. Et là, ça fait plus chill, tranquille, quoi. Donc, les deux ne vont pas ensemble. Il va falloir, à un moment donné, faire un choix entre les deux. Ça, c'est sympa aussi. Et ça irait, je pense, avec le bas. Si, par exemple, la robe, on la met en rouge, comme ça. Est-ce qu'on laisse les boutons en noir ou on les met en blanc? On les met en blanc. Mais bon, 5 diamants. J'ai mal à mes diamants. J'ai mal à mes diamants. Ça, c'est quoi? Non. C'est mignon, mais non. Non. qu'est-ce que nous avons encore? Oula! Oh my god. Et si on met en rouge comme ça ici, est-ce que ça le fait? Franchement, ça le fait, mais c'est méga, méga, méga. Méga, méga gros, hein. Ah, ça c'est pas mal aussi. Oh mon dieu, mais il y a tellement de choses que je kiffe là. Il y a tellement de trucs que je kiffe là. Je me demande si ces chaussures, ils iraient peut-être mieux, mais genre avec un pantalon complet et pas un truc qui coupe encore. Parce que déjà c'est long, il y a une coupure, il y a deux coupures, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh non. Oh my god, c'est trop bien. Mais du coup, la coupe et ça, c'est pas compatible. C'est pas compatible, mais. Ouais, non, il y a des trucs beaux. Mais. Aïe, 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 ils ont mis masse objets avec des diamants, quoi. Et si on partait sur un truc genre comme ça, mais ça, on met en blanc, comme ça. Ouais. Il faudrait voir encore pour un bas. Pour l'instant, j'en mets un histoire de voir qu'est-ce que ça donnerait. Bah, en vrai, ça passe, mais. Il y a deux motifs différents, du coup, voilà. Je suis pas Christina Cordulac, mais on va dire que mélanger deux motifs sur une seule tenue, je suis pas super fan. Il faudrait que je trouve soit un truc uni, ouais, mais ça fait court, ça. Ça fait court et puis ça fait trop bas, ça. Et ça aussi, c'est sympa. Ça aussi, c'est sympa. Oh mon dieu, mais il y a trop des belles choses. Mais du coup, là, les collants, ils vont plus avec, quoi. Mieux mettre sans les collants et trouver un bas plus convenable. Ça, c'est quoi? Sur la tête? Ouais, sur la tête. Je me suis demandé à un moment si c'était pas genre une jupe. Mais non. Connaissant Movistar Planet, ça aurait pu être tout à fait possible. J'hésite, hein, franchement. Est-ce que le. Ouais, voilà. Merci beaucoup d'avoir mis un nœud qui est pas méga grand, quoi. Ça, c'est sympa sur la capuche. On a l'impression que c'est intégré à la capuche. Et si on essayait ça? Ça le fait. Ça le fait. Après, est-ce qu'on partirait pas sur un modèle uni? Ou genre avec un léger truc comme ça? Bon, après, ça fait pas genre trop blanc, trop rouge, pardon. On va mettre tout en blanc, comme ça. Franchement, comme ça passe. Hein. Moi, j'aime bien, personnellement. Je sais pas. Oula, ça, c'est sur l'épaule. Ouais, non, c'est flippant. Hein. Franchement, t'as un petit bonhomme comme ça sur ton épaule. En plus, si tu regardes, genre, c'est menaçant. Je trouve ça un petit peu menaçant. C'est un petit peu trop arrogant pour être sur mon épaule, ça. Ça fait un petit peu peur. Pourquoi pas ça? Parce que ça me convient même peut-être plus. Quoique, quoique, quoique. Je sais pas trop. Oh non.
J'ai envie d'essayer ça, mais j'ai peur qu'après, il faut que je recommence ma tenue. Ça, c'est sympa aussi pour du non-VIP. Bon, c'est moins joli que ça, c'est sûr, mais pour du non-VIP, ça passe. J'ai envie de cliquer dessus, mais non, car elle ne clique pas dessus. Est-ce que c'est fini? Non, il y a une 7e page du look. On va voir, essayer de voir si pour les cheveux, on peut trouver quelque chose d'autre. Mais là, pour l'instant, je trouve pas. Ça, c'est bizarre ici. Le cheveu sur la joue, c'est trop bizarre. Attends, je vais essayer de mettre une autre couleur pour contraster. Ouais, non, regardez, ça fait genre trop bizarre. J'ai l'impression que c'est collé dans son oreille ou ses cheveux sont rentrés dans son oreille. C'est un peu hardcore. Non, je ne valide pas cette coupe non plus. C'est limite, en fait, sans coupe, ça passe mieux. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une mèche de cheveux qui dépasse ou une mèche de frange ou un truc comme ça pour que ben, ça fasse pas trop... Ben ça on voit pas, mais j'enlèverai du panier si je change pas les chaussures d'ici là. Ça c'est... Bah après, en soi, il y a des trucs sympas. Mais pour cela, ce look en particulier, pardon. Ouais, ça, regardez, il y a les cheveux qui dépassent derrière, ça me stresse. Hey. C'est mignon. C'est mignon. Est-ce que je le garde? C'est mignon, mais je pense peut-être pas pour ce look. Ça, on dirait, vous savez, les sortes de... Je sais pas si vous avez vu, et je crois que c'est un Disney, en plus c'est Casse-Noisette. Non, en plus je crois que c'est vraiment un Disney, et moi j'adorais... Ah, faudrait que je me refasse un petit film de Casse-Noisette. Ça m'a l'air une bonne idée. En plus, on est en pleine période où c'est trop cool de regarder ce genre de choses. Est-ce qu'on prendrait un collant? Non, je pense qu'on va pas mettre de collant. On a déjà des grandes chaussures. Bah là, pour les cheveux, ça va être encore pire avec ça, quoi. Ouais, c'est encore pire. Mais du coup, ça, je vais pas prendre. Pour ce look-là, en particulier, on va pas le prendre. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de 9e page. Ça, on se retrouve sur l'ancien thème. Mais maintenant, pour le look, je vais essayer de trouver quand même une coupe qui convienne. Je vais regarder dans ce thème-là, qui est aussi un thème de Noël, s'il y aurait... Ouais, non, ça va pas le faire. Ouais, il y a le chignon qui dépasse. S'il y a une coupe qui pourrait aller. Je pense qu'en termes de tenue, je vais peut-être éventuellement revenir sur l'autre jupe, celle qui était... Ou quoique... Non, on va prendre celle-ci, elle est encore mieux parce qu'elle est contrastée, on a l'impression que c'est du velours. Ça rend super bien en rouge, en blanc. On va tester en blanc. Franchement, j'aime bien les deux. Mais je trouve que vu qu'on a déjà énormément de rouge dans la tenue, on va mettre en blanc. On va le mettre en blanc. Bon, par contre, j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu derrière. Et que si je mettais en rouge... Ouais, non, c'est pas ça qui dépasse derrière. Si, un petit peu ça dépasse. Mais de toute manière, c'est blanc quand même. Donc on va mettre en blanc. Et on va chercher une coupe. On va chercher une coupe qui pourrait convenir. Est-ce que celle-ci, elle conviendrait? Ouais, non. Le problème, c'est que ça dépasse derrière. C'est pas logique, en fait, que ça dépasse derrière. Pour se faciliter la tâche, pardon, on va peut-être aller dans les coupes courtes. Pour les cheveux courts. Ah, mais c'est bizarre, à chaque fois, regardez, au niveau des oreilles, j'aime pas ça. Ça, oui. Regardez, là, vu que ça ondule ici, ça fait beaucoup plus naturel. Et puis bon, hein, vous savez que c'est une coupe courte, mais en vrai, une personne qui regarde comme ça, on sait pas si elle a les cheveux longs, les cheveux courts. En plus, on peut mettre des mèches. Bon, là, c'est très bizarre ce que je viens de faire. Bon, je vais peut-être pas mettre en noir. J'hésite. Soit en blanc. Peut-être plus en blond. Bon, bien sûr, après, vous, si vous voulez récupérer le look, vous pouvez bien sûr changer les couleurs et mettre ceux qui vous conviennent. Alors, je vais faire un petit dégradé, une petite nuance de couleur dans les cheveux. Ouais, comme ça, ça le fait comme ça. J'aime bien. Après, on peut encore tester d'autres. Mais pour l'instant, celle-ci est sympa aussi. Mais je sais pas laquelle je préfère. Je pense que je préfère quand même celle-ci. Celle-ci, elle fait un peu plus, je sais pas comment dire, travailler, entre guillemets. Ça, c'est du genre, ouais, t'as qu'à appuyer sur tes cheveux, tu t'es pas coiffé, quoi. Un peu comme moi, quand vous me voyez en bonnet sur mes lives, c'est que je me suis pas coiffée. Celle-ci, elle a... Ouais, oh, celle-ci, elle est encore mieux, en vrai. On ne peut pas faire de dégradé, mais je la trouve mieux. En blanc, comme ça. Ça passe, hein. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je suis assez fière, là. Je suis assez fière du look.
Donc on va faire une petite récap du panier. 5 diamants quand même. Ça on enlève. Les chaussures au niveau de la couleur. Le ruban on change, on met un ruban blanc. La semelle on va la laisser en noir, on va pas mettre en blanc parce que je pense que ça ferait... En vrai ça choque pas en blanc. Et c'est vrai que maintenant les chaussures, il y a beaucoup de baskets qui ont des semelles blanches. Bon ok, va pour le blanc, va pour le blanc. Et si on récapitule, nous sommes... voilà, donc il y a du diamant, il y a deux trucs VIP. Mais bon, c'est quoi le truc qui coûte des diamants? C'est ça. C'est ce machin là qui coûte des diamants, mais franchement je pense que ça vaut le coup. 5 diamants pour ça, mais pour Noël, pour la magie de Noël, pour la beauté du look. Là je pense que je vais... Ouais, non, on va faire comme ça. On va prendre ça comme ça, et puis je vais créer le look comme ça pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent acheter le look. N'hésitez pas, hein. Moi je partage tout avec vous, il n'y a pas de problème. Je partage même ma brosse à dents, peut-être pas non plus, mais bref, vous avez compris. Je me rappelle de ce pack imitation qui était super difficile à recréer. C'était extrêmement difficile. Bon, on va tout enlever, hop, pour vraiment, si vous voulez acheter le... Regardez, en plus, les cheveux courts avec les deux trucs, ça fait genre trop bien, quoi. Ça, on enlève tout. Même les cils, je suppose que vous en avez déjà, la plupart d'entre vous, vous avez déjà des cils, donc je les enlève. Voilà, hop, 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 et puis voilà. On va appuyer sur OK, on va marquer. Parce que là, c'est voilà, c'était le premier look de Noël que j'ai fait, c'était celui-ci. Je suis un petit Bambi, ça fait un look assez plus casual, maison. Bon, y a quand même les talons qui font que ça fait aussi assez habillé pour l'occasion, pour fêter Noël. Et là, c'est un look encore un peu plus, peut-être un peu plus vraiment Noël, le jour à porter, le jour vraiment de Noël, le réveillon, quoi. Donc, on va appeler ce look... bon, vu que celui-ci, c'est Je suis un petit Bambi. Je vais l'appeler Je suis la mère Noël. Voilà. Et pour ceux qui demandent, ou lui, le W, je fais exprès. Je sais que ça s'écrit pas comme ça normalement. Désolée, je m'étouffe. Je sais que Noël ne s'écrit pas comme ça, mais je le fais exprès. C'est fait exprès, ok? Ok, on enregistre et on va porter le look. Voilà, j'ai juste envie d'aller voir s'ils ont rajouté peut-être dans la clinique beauté. Bon, ça a du mal quand même. Allez, je vais porter mon look. Ok, envoie pour les votes. Bon allez, on envoie pour les votes et on va aller voir dans la clinique beauté si on peut faire quelque chose. Clinique beauté. Alors, est-ce que nous avons quelque chose de nouveau? Parce qu'ils avaient déjà ajouté des trucs pour Noël. Ouais, donc c'est toujours les mêmes trucs. Hein. Ça, y a rien de nouveau par rapport aux yeux, rien de nouveau par rapport aux phares là non plus, pour les bouches. Non, donc y a rien de nouveau. Bon, ça m'étonne pas, hein, ils ont déjà mis un truc, ils vont pas en mettre plus. Mais en tout cas, j'espère que que vous aimez bien mon look. Je vais peut-être juste changer au niveau de la clinique beauté de ce que moi j'ai. Je vais peut-être le faire rapidement en vidéo ou pas, je ne sais pas. On va aller voir ici, alors... Parce que j'ai envie de changer quand même. Les yeux, je les laisse comme ça parce que j'aime beaucoup. Ouais, quoique. Quoique, bah, ça va faire un petit peu paranormal après si je mets ça, non? On va mettre peut-être un peu plus foncé comme ça. Puisque je peux me le permettre. Oh, j'ai envie d'essayer des trucs là. Oh, j'ai envie d'aller dans la clinique. Oh là là. J'ai envie de mettre peut-être un peu plus de... Je sais pas. Je sais pas. Et la bouche, une bouche peut-être un peu plus rouge pour l'occasion. Ouais, pas une bouche de vampire non plus, mais... Ouais, peut-être un truc un peu plus foncé. Et pour contraster, une peau un peu plus blanche. Comme un petit doliprane que je suis. Non, là, on dirait qu'elle est malade. Non, les yeux, ça fait un peu trop paranormal, donc je changerai juste au niveau des yeux, mais ça, je le ferai en dehors de la vidéo. En tout cas, j'espère que le look vous plaît, et je suis désolée, hein, les diamants et les objets VIP que j'utilise dans le look. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une version look de Noël sans VIP, même si je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, il sera peut-être déjà Noël, je ne sais pas. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao. To the ocean, yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.
that amazing in Christmas.